Je vous propose de préparer un chili con carne. Pour faire un chili con carne, il vous faut 300 à 400 g de viande de bœuf hachée. Il vous faut des haricots rouges, une grosse boîte, une petite boîte de maïs, 65 g de concentré de tomate. Il vous faut une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poudre à chili, deux oignons émincés, une trentaine de grammes de beurre et 300 ml de bouillon. Il vous faut du sel, du poivre. On va commencer par faire fondre le beurre et faire dorer nos petits oignons. Nous avons mis les oignons et nous allons attendre qu'ils fondent un peu. Quand les oignons ont fondu, on va rajouter la viande. Donc là, on a rajouté toute la viande. On va laisser cuire pendant 5 minutes, le temps que la viande cuit. Quand notre viande est cuite, nous allons rajouter les épices. Donc une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de chili. Nous allons tourner. On va saler et poivrer. Et on va mettre le concentré de tomate. Donc voilà, j'ai mis le concentré de tomate, les épices, donc une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de chili, j'ai salé, j'ai poivré. Je vais pouvoir ajouter mes haricots. Là par-dessus, je vais rajouter mes maïs, hein, ma petite boîte de maïs. Donc je vais bien tourner. Donc, j'ai bien tourné. Et là, je vais rajouter mon bouillon. Je vais laisser mijoter pendant 15 minutes et ça sera bon pour manger. On n'hésite pas à venir tourner quand ça mijote pour pas que ça accroche au fond. Mon chili con carne a fini de mijoter. Je vais dresser. Et voilà, mes assiettes sont dressées. Je vais passer à table avec mon chéri.